Smithy Fatoumi Oumeima, Andy 23 ans et je suis assistante développement RH chez Deloitte. Pour l'émission et tâches d'un assistant développement ressources humaines, on a la formation, la gestion des emplois et de compétences, la médecine de travail et tout ce qui est social et légal. Ce qui prend une grande partie liée à Flumiam Lourdes Dialy, c'est le recrutement. Le recrutement, tout le process de A à Z, étant donné qu'on diffuse les offres d'emploi et nos besoins en recrutement sur les différentes job boards, on analyse les CV qu'on reçoit, on fait un premier entretien par téléphone et par la suite, on convoque les candidats pour des entretiens dans nos locaux avec les managers opérationnels. Une fois on recrute la personne, on passe à l'accueil et son intégration. Nous recrutons des comptables juniors Bac plus 2, Bac plus 3. Il y a un nombre de diplômes, que ce soit le Koulia, les EST, les ENCG, et aussi des réviseurs comptables, des superviseurs. Pour les compétences d'un assistant développement en ressources humaines, il doit être rigoureux, dynamique, très disponible et tawassul ma les collaborateurs Diana, c'est très important pour avoir une relation de proximité avec eux et avoir un sens de confidentialité parce que nous traitons le vécu de nos collaborateurs et de l'entreprise. L'assistant RH est rattaché directement à un responsable ressources humaines. Ce dernier est rattaché aussi à la DRH, qui est la directrice ressources humaines. Chez nous, chez Deloitte, nous sommes trois personnes dans le développement RH et nous travaillons avec tous les collaborateurs de Deloitte Nirchar. En ce qui concerne ma formation et mon cursus académique, j'ai un baccalauréat en sciences, économie et gestion. J'ai par la suite intégré la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSB, où j'ai obtenu une licence IJAZAF, l'apprentissage de TITBIR. Et actuellement, je fais un master à l'ENCG de Stade, un master en management des ressources humaines. Pour mes expériences professionnelles, j'ai eu une première expérience, un stage au sein d'un cabinet de recrutement qui a initié mon parcours RH. Par la suite, j'ai eu une première expérience aussi au sein d'une centrale d'achat industriel. Actuellement, je suis assistante développement ressources humaines au sein de Deloitte Nirchar. En ce qui concerne les perspectives d'évolution et le plan de carrière, le métier d'assistant RH est un métier très porteur. Du moment qu'on peut à court terme, dans 2 ans ou 3 ans, devenir responsable ressources humaines et par la suite sur le long terme DRH, et pourquoi pas fonder son propre cabinet de recrutement, de formation et de développement personnel. النصيحه اللي نقدر نعطي لي دومونديور دومبلوي سي كو lorsque vous envoyez une demande d'emploi envoyez-la avec un CV avec un bon contenu concernant votre formation et vos expériences professionnelles sans trop rentrer dans le détail avec une lettre de motivation lorsque vous envoyez un mail à un recruteur avec un fond de mail n'envoyez pas uniquement le CV et essayez de nouer des relations via différents réseaux professionnels que ce soit LinkedIn ou via Deo. Au préalable, il faut préparer son entretien d'embauche pour le bon déroulement de l'entretien et être présentable.